En chinois, on dit la nourriture est le dieu du peuple. Dans le long fleuve de l'histoire, la gastronomie occupe une place importante. Les époques se suivent mais ne se ressemblent pas. Une multitude de goûts étonnants sont nés, se sont propagés, voire se sont éteints. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont perpétués et restés populaires? L'enquête du goût commence. Nous voici dans le quartier de Gaochuan du sud de Nanjing, au bord de la province d'Anhui et point important du delta du fleuve Yangtze. C'est une zone habitée située entre deux lacs au paysage unique et varié avec de l'eau, des montagnes et des champs. L'empereur Qianlong du XVIIIe siècle l'a désignée villégiature de la région et l'a considérée comme une région très riche. Elle a aussi la réputation d'être une contrée de poissons et de riz. En se baladant dans ces rues, on sent l'histoire rien qu'au contact du pavé. C'est bien dans les rues anciennes qu'on peut trouver les saveurs d'antan. Cette rue ancienne de Gaochuan s'appelle la rue ancienne de Chuanxi. Construite sous la dynastie des Song, elle compte déjà plus de 9 siècles d'histoire. C'était la principale voie du commerce du village antique de Chuanxi. Ayant été continuée sous les dynasties des Ming et des Qing, soit plus de 5 siècles, il s'agit maintenant d'une rue commerçante de plus de 800 mètres. On y trouvera forcément les spécialités de Gaochuan et les amuse-bouches locaux. Combien de délices une telle rue antique peut-elle cacher? À combien remonte l'histoire de ses saveurs? Parmi celles-ci, laquelle est la plus ancienne et la meilleure? Voilà donc l'objectif de cette enquête du goût.好听，好听啊！这是我们马家果的传统的打锅盒子。您这手里做的什么呀？我手里面做的是我们马家果的这个传统的步步高。步步高？哎，这个步步高呢，就是代表步步高，往步步高送。我能跟您学着做一做吗？因为我也想给我们家的老人带点这个步步高，我想自己做。行啊，行吧。啊。Le gâteau pas à pas est une des grandes spécialités de la province du Jiangsu. Il vient du gâteau des tranches de nuages. À l'époque, Qianlong, en visite dans la région, découvrit par hasard ce gâteau. Quand il le goûta, il en fut tellement amateur qu'il l'appela « gâteau des tranches de nuages ». Aujourd'hui, pour répondre aux demandes du marché, beaucoup de pâtisseries ont essayé d'adapter la recette en ajoutant la farce, donnant son nom actuel, le gâteau pas à pas. Si on veut obtenir un gâteau pas à pas bien consistant, on se doit de particulièrement soigner cette étape de compression. La base plate du pilon permet de battre le riz glutineux mou avec force pour lui donner sa forme. Cela permet d'avoir un gâteau d'apparence compacte, mais à la structure souple et assez fondant en bouche. Le moule et le pilon qui servent à compresser le riz glutineux sont en fer. Même si l'utilisation d'un tel poids peut sembler un peu lourdingue, c'est en fait nécessaire pour obtenir une bonne souplesse. Ces outils ont été fabriqués pour Monsieur Ma à l'époque où il apprenait à faire le gâteau avec son père et il les utilise encore. Ça,
那就下次就吃不动了。哦，还不能过，哎，过了就切不动了，吃苦儿子。那您一天得做多少份啊？一天要搞到200多份。200多份、哎，那就是4000下。哎，对对对。哎呀，当这个学徒太辛苦了。太辛苦了。不过我不怕累，哦，我来继续帮您再砸一下吧。啊，差不多。砸平。好好。Après avoir compressé tout ce temps, notre enquêtrice pensait qu'elle était en passe de maîtriser. Mais quelque chose cloche, ce gâteau contient une farce. Ce n'était donc que la dernière étape. Et c'est bien la farce qui détermine le plus si le gâteau est bon ou non.就是这个糖，一般发了草的糖，发了黑的糖，你都不能用。On fait sauter le sésame noir, des noix, de la prune verte et les fleurs d'osmante qu'on mélange bien. Afin d'obtenir une farce malléable, on rajoute de la farine de riz glutineux sautée. Cela permet de bien garder le goût de riz glutineux du gâteau et d'enrichir un peu plus sa texture et ses saveurs.Lors de cette phase de mélange, on doit bien écraser l'ensemble pour avoir une texture bien fine. Cette opération nécessite une bonne coordination de la vision avec les mains. Ce chien est bien fait, c'est bien fait. Il faut le faire tourner, Outre le soin apporté pour faire la farce, l'enveloppe du gâteau pas à pas n'est pas en reste. A priori, il ne s'agit que de la farine de riz glutineux, mais ce n'est pas tout.La farine de riz glutineux sautée est finement moulue, on lui ajoute un sirop fait de sucre blanc et d'huile, et on mélange vigoureusement pour former l'enveloppe du gâteau. Afin de bien incorporer le sirop à la farine de riz glutineux, on doit d'abord bien mélanger puis écraser. Ce mouvement d'écrasement avec le manche paraît simple, en fait c'est pour casser les petits morceaux de sucre.Cette étape est physique et si les doigts sont mal placés ou qu'on n'est pas concentré, on risque de se faire mal. Ce que vous faites, c'est très malin. Mais quand je suis en train de me dire, c'est comme ça. C'est comme un gâteau. Une fois l'enveloppe bien affinée, une autre étape importante arrive, le filtrage. La farine de riz glutineux étant assez collante, elle a tendance à s'agglomérer quand on la mélange.Le gâteau résultant risque alors d'être irrégulier, peu esthétique et moins agréable au palais. En filtrant le mélange, on l'affine encore plus et cela donne un gâteau plus moelleux. On met la farce en forme de pavé sur le mélange de farine de riz glutineux. Cette étape est une course à la montre.Si on tarde trop, le mélange risque de gonfler et donc déformer le gâteau et donner une consistance trop flasque. Et si on manque d'expérience et qu'on n'arrive pas à avoir la vitesse appropriée, tout le travail passé risque de tomber à l'eau. Voilà. Voilà. 这下算是夯实了。嗯，好，好。那我马上多给你看哦。好。哇，你看，哎呦，真漂亮！你瞧，你瞧，特别像咱们这屋外面的黛瓦青砖粉墙，是不是这个感觉？就是啊，白色的这个外面的，像这个墙里边是青砖的这种感觉。哎呦，您看您这个啊，这每一片好像切的薄厚都是一样的。哎，差不多，也有厚有小的。哎呦，您太谦虚了。Pour couper des tranches bien régulières, il faut une bonne technique de découpe mais aussi de bons outils. Ce couteau utilisé par Monsieur Ma est plus grand qu'un couteau de cuisine habituel. De plus, sa lame a la forme d'un trapèze, ce qui offre une plus grande surface de contact avec la planche de découpe et permet de transmettre plus de force. L'aisance avec laquelle Monsieur Ma manie ce couteau est admirable. Mais soudain, nous nous apercevons de quelque chose encore plus épatant.还能切？不看上面也马马虎虎的。
您就是谦虚，我发现一般大师都是谦虚的。就是把眼睛蒙起来也是马马虎虎的。真的吗？啊，我可以试试，你可以试试看。太好了，太好了，您这个赶紧让我开开眼界。Couper ce gâteau pas à pas en tranches de 2-3 mm d'épaisseur avec un couteau de 2,5 kg, les yeux bandés, est-ce possible? Voilà. 这是几？哦，你们不是小飞。看不见了。好，那咱们就开始了，小心啊！哇，真的可以啊！嗯，我太佩服了。好，哇！我觉得您看，太不容易了，擦汗。Pouvoir couper ce gâteau les yeux bandés n'est vraiment pas une aptitude donnée à tout le monde. 我惊奇的发现，眼睛蒙上的比之前切的还要工整。你看，这每一片的厚度都是一样的。细心是吧？啊，不，细心要切到指头啊。哎，是这样的原因。之所以不会切到，或者说切得这么工整，还是您的手在做一个计算。对，主要就是这个手，主要就是这个左手。La main qui avance, c'est un peu se servir de la main comme des yeux. Le déplacement des doigts décide de l'épaisseur de découpe. Si le déplacement est trop important ou pas assez, l'épaisseur de la tranche en est affectée. La pratique de cette découpe n'est pas évidente.Même M. Ma se blessait souvent la main quand il a débuté. Il faut véritablement pratiquer longtemps pour pouvoir maîtriser cette compétence artisanale. Tu vois, je suis en train de me faire un peu de lumière. C'est le chinmé. Chinmé, il est en train de me faire un peu de lumière. Je peux en prendre un peu? Je suis en train de me faire un peu de lumière. Je suis en train de me faire un peu de lumière. Le gâteau pas à pas répand discrètement son parfum antique. Quand on le met en bouche,On sent son moelleux, son parfum sucré, et il fond en diffusant son intensité dans tout le palais. La réussite d'un classique gastronomique ne dépend pas que de sa transmission, mais aussi de l'amour qu'on y met pour le faire. La sélection minutieuse des ingrédients permet d'assurer sa qualité centenaire. La préparation méticuleuse a été transmise au fil du temps, et des nouveautés dans les saveurs permettent de mieux complaire à son époque. Mais ce n'est qu'en mettant tout cela en œuvre,que l'on peut perpétuer un artisanat antique et que l'on permet à ses saveurs de continuer d'exister. Un voyage est plus qu'un déplacement et un congé, c'est une découverte de soi et des autres. Effectivement, plutôt que de passer simplement en touriste, c'est plus fort de pénétrer au cœur de la vie d'une ville et de goûter à ses saveurs. Maintenant, nous continuons notre recherche des saveurs qui se bonifient au fil des époques.Cette fois-ci, la mission va débuter dans une bourgade appelée Boao, et ce qui s'est le mieux transmis, ce sont les saveurs favorites des habitants locaux. 我现在所在的位置呢，就是琼海市博鳌镇的一个普通的菜市场。对我来说呢，想要了解一座城市的味道，首先呢，应该从菜市场开始。虽然这里好像少了天堂小镇的浪漫，也没有了阳光沙滩的惬意，但是呢，这里却有着最鲜活的生活。这是什么鱼啊？叫石斑哈。海鲜鸭吧，用海鲜鸭吧。这猪头是吗？这你自己种的吗？自己种的了。我尝一口。这很好吃，好吃啊，有点甜，有点咸，做早饭不错。老板，这个是粽子是吗？对呀，粽子干啥？粽子，哎，老板说，我怎么连粽子都不认识？这是拿什么做的呀？椰子叶。椰子的叶子，然后给它我编起来的，这是您自己编的吗？对呀。哇，好厉害！哎，这个是传说中的栗吗？你勇是搞这个平安的啊，平安的，保平安的，那跟这有为什么盖房子什么东西都用这个东西，用这个是吗？为什么要给它弄得这么复杂呀？啊，菜就平安嘛。
哦，解开，解开什么就平安了，就一层一层解开，等于你那些烦心事儿、心里那些心结都解开了，那么就无忧了，是吧？他们都带着啊，都带着，带去新加坡，去新加坡，带去下南洋是吗？去南洋都带着。嗯，我咬一口啊，有肉的香味，但是呢，你这看不到肉在哪里。Shin Shin s'enthousiasme dès qu'il s'agit de manger, mais sa mission consiste à trouver des amuse-bouches au goût de viande de poule. 这样呢，我们就继续我们的调查任务哈。什么美食岁数越大味道越好？刚刚已经有很多的这个阿叔阿婶告诉我，这里头呢就有一种鸡屎味的小吃。哎，这鸡屎味的小吃到底是什么味呢？说到这儿我都吃不下去这个栗了，他们说呢，这儿有一家这个郭阿婶哈，他家卖的这个鸡屎味的小吃呢，听说早上只卖2小时，如果错过时间呢就没有了，所以咱们赶紧的吧。哦，就是这儿吧。啊，阿婶您好，您这儿是卖那个鸡屎藤小吃的是吗？鸡屎藤，这就是咱们这个传说中鸡屎味的小吃是吗？看着颜色有点奇怪哈，嗯，但闻着味道好像没有什么特别的味道啊。我尝一口好吧。嗯，这个样子也有点难以形容啊。嗯，居然是甜的，而且是有一股椰子香在里面。它里面是不是有椰奶？有椰奶，椰子，椰子奶，有椰子，快点柠檬，嗯，就吃起来除了甜之外哈，确实有一股怪怪的，那种草药的味道，是吧？那是什么味道？什么鸡屎的鸡屎叶的，就是鸡屎藤那个叶子是吗？嗯，哦，原来是这样。这个您卖多少钱一碗？3块钱一碗啊。Madame Guo vend cette amuse-bouche depuis 16 ans. Son mari est un professeur assez occupé, donc elle s'occupe de la plupart des tâches de la maison. Après ce petit déjeuner, nous allons rentrer chez elle pour apprendre à faire cette amuse-bouche. Après avoir visité sa nouvelle maison, nous nous rendons à son ancienne maison dans laquelle elle prépare sa spécialité. Madame Guo dort 2 heures dans la matinée, mais pas quand il y a des travaux agricoles à faire. Justement, aujourd'hui, il faut faire sécher le riz. C'est l'occasion de rencontrer son mari venu aider. La tâche peut paraître simple, mais après 1 heure sous ce soleil, Sun Shun nage dans la sueur. Les femmes de Hainan sont réputées pour être travailleuses. Et Madame Guo le montre bien. Depuis 6h du matin jusqu'à actuellement 11h, elle ne s'est pas arrêtée 5 minutes. À peine ce travail fini qu'elle nous emmène cueillir la plante de fiente de poule, suivie par son chien. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon.走，我看一下这，哎呦呵，哇，阿婶这儿这么多鸡啊，怪不得一股鸡屎味儿。哦，我知道了，这个鸡屎藤，肯定跟鸡屎有关。在那边有啊，是吗？这就到了是吗？这个就是呀。嗯，这种。哦，这就要这叶子是吗？嗯，鸡屎叶呢？鸡屎叶，嗯，跟鸡屎有什么关系？鸡屎就是鸡屎叶了吗？你看你烂的就抓味道了吗？哦，是这样，给它掐烂了，然后它那汁水出来，嗯，啊，还真是，就是这个味儿。哎呦呵，您越说，我就越能联想到那个鸡屎的那个。但是这个东西臭臭的，为什么想到把它拿来放到食物里面呢？煮起来香嘛，煮起来放这个椰子奶啦。您的意思是煮完之后它就不是这味儿哈，就香了。嗯。啊，这怪不得一股鸡屎味呢，真逗。Les anciens disent que la plante de fiente de poule sort l'humidité du corps, aide à digérer, favorise la circulation sanguine et renforce le corps.
Dans les années difficiles, les gens avaient accès à peu d'aliments nutritionnels. Cette plante est un peu devenue leur ginseng. On l'utilise après une opération ou un accouchement pour récupérer. Les petits morceaux dans la crème aux feuilles de fiente de poule proviennent du mélange de jus des feuilles avec le lait de riz. Oh, ce goût est vraiment grand. Ça me fait penser à faire des plats, c'est vrai que c'est un peu... C'est quoi ?鸭屎藤，哦，还有鸭屎藤呢，这俩有什么区别？鸡屎藤跟鸭屎藤，鸭屎味大，鸭屎一样大，这个叶就小一点，那个叶就大一点，那个叶是大一点，哦，大一点的就叫鸭屎藤，小一点的叫鸡屎藤，不是根据屎来分别的，<笑>好吧？你看，鸭屎藤，鸭屎藤，我们先看到了鸭，然后呢，闻到了鸭屎味儿，然后呢，下一步您知道的，对吧？鸭屎藤，走走走。 Madame Guo dit qu'il faut cueillir presque 3 kg de feuilles de fiente de poule pour préparer la crème en quantité suffisante. Après plus de 2 heures de cueillette, sous la chaleur et avec les moustiques, Sun Sun n'en peut plus. Sur le chemin de retour, Madame Guo doit cueillir des noix de coco qu'elle utilise pour donner du goût. Elle trouve que la soupe faite de coco permet de cacher le goût un peu spécial de l'amuse-bouche et de renforcer le goût végétal des feuilles de fiente de poule. 咱们砍了这个椰子之后，做那个鸡屎藤八仔要的是里面的水呢，还是里面的椰蓉呢？要里面的那肉啊。椰肉啊。那到时候怎么把它弄出来呢？弄出来就皮了，皮的这个皮一皮，哎呦。给它抛光一下，把那毛去掉啊。哦，哇，好浪费，不要留。 哎呀，我都心疼，觉得，哇，你看这个白白的哈，这直接就能喝了是吗？这水化了。哦，就直接喝了啊。嗯，好了。你看，这干完了活啊，就应该蹲下来喝一口。甜吗？哎呀，太清甜了。嗯嗯，哪个哪个哪个？我来，你也来一口，来来。 甜吗？哎呀，真是大汗淋漓之后，喝上这样，哎呀，这样一口清甜的椰子水，简直太解暑了哈！最关键的是，它这个椰蓉，我们是要拿来做那个鸡屎藤八仔，是不是？好，那么赶紧喝完，咱们去做去。啊，太过瘾了！ Madame Guo dit qu'il faut attendre 2 heures du matin pour commencer la préparation afin d'avoir un goût optimal pour la vendre à 6 heures du matin. Son amuse-bouche, appelée Pazai, est ainsi appréciée de tous depuis 16 ans. 现在呢是凌晨的2点钟哈，这路上特别安静。哎，我为什么在这个时候又来呢？一进这个村儿，顿时觉得浑身又开始痒痒了，因为白天实在是被咬怕了。因为呢，这个阿婶就是在凌晨2点钟开始做鸡屎藤八仔的，所以呢，为了给大家展现这个八仔的制作全过程，我必须保持生物钟跟他在同一个频率哈。你看这一路都黑着灯，但是前面这个窗户好像透着点光哈，大婶应该是要准备开始做了。 On lave les feuilles de fiente de poule, puis on les hache en distinction. On lave le riz et on le fait tremper 30 minutes. Puis on met le riz et les feuilles hachées dans le moulin pour obtenir le lait de riz. On ajoute continuellement de l'eau durant la mouture. Madame Guo dit que c'est ça qui détermine l'authenticité de la recette. On obtient ainsi du lait de riz et non de la farine de riz. Même si ça prend du temps, le pad thai ainsi obtenu devient plus glissant et savoureux à la cuisson. Même si Madame Guo n'utilise plus le moulin depuis 2 ans, elle a nettoyé spécialement le moulin en pierre afin que Sun Sun puisse essayer.
所六年的煤油电的嘛。哦，就要这个。以前没有电的时候就用这个。中国火有电的，现在用电的了。电的。所以电的要快一些是吗？电的快了。电的那要磨多少时间呢？多少时间呢？电的磨呢？15分钟。15分钟。那要是用这个石磨来磨要多久？那一个小时。啊，一个小时，那真是还是用电的。但是这个两个出来的味道会一样吗？味道也是一样的，差不多是不是？是啊，对，所以今天是特意把这最原始的展示给我看一下哈。是，对，最早就是这么费劲的，要磨一个小时才能出来，是吗？嗯。每天要磨多少斤？每天呢，5斤。5斤啊？这是一定要加水的是吧？加水就要水流着了嘛。啊。这个用水的就得磨出来就要流出来嘛。嗯。干它就没有，不能流出来吧？不能流出来，没有那么细腻哈。嗯嗯。哦，现在那个已经没有什么鸡屎味了，其实，就更多的是叶子的那种清香味儿。嗯。Cette méthode de mouture traditionnelle avec l'utilisation de l'eau pour faire le lait de riz montre que ce mets est assez ancien. On met le liquide extrait dans un sac de toile qu'on serre et qu'on presse pour en faire sortir l'eau. À la pâte restante, on ajoute un peu de farine de riz et on pétrit vigoureusement. On est à la moitié de la préparation. Ensuite, nous avons la chance de participer à la cuisson du lait de coco, la boisson la plus célèbre de Hainan.这俩椰子就是咱们下午采的那个椰子是吗？咱们已经给它劈开来了。那它怎么就能变成椰奶，然后最后放在那个鸡屎藤八仔里呢？打开了，打开要这个肉来搞了，这个液，搞出了这个奶了。哦，奶了之后，这鸡屎藤在哪里搞出了，味道就香了。哦，所以您才发给我了这个工具是吗？这个够锋利的，是要给它爆那个。爆成椰丝儿是吗？椰子叶的啊，爬出来的。好，那您先示范给我看看好不好？这个工具呀，哎，这个、要坐在下边是吗？是。哦，就这样骑着它是吗？啊、哦，好吧，就给它固定住了，然后，哦，拿着这样刮呀，哇，这会不会容易爆到手上？我倒没看呢。那好，你来。我试试，这样就这样拿着是吧？嗯，拿着就往下蹭，这样。哟呵，这一不小心这个肉丝儿就下来了。天哪，就这样哈。注意一下吧。注意。这里旁边再搞搞到最后就要中间了。先外边，然后再中间是吧？嗯。哇，你看阿婶跟我的对比，一下这里边都已经空了，你知道我这个跟没爆一样。Madame Guo utilise un outil local typique pour réaliser cette opération qui paraît si difficile pour les visiteurs, râper la noix de coco. Elle peut en râper 6 en 10 minutes. Le lait de coco cuit à partir de la chair fraîche de coco est très savoureux et parfume intensément le pad thai à la plante de fiente de poule.Ensuite, il faut préparer la pâte du pad thai. D'après la recette traditionnelle, on coupe cette dernière en petits morceaux qu'on frotte pour en faire des fines nouilles, puis qu'on découpe en forme de pépins. Mais comme le pad thai de Madame Guo est très demandé, cet outil est devenu son atout. Après toutes ces étapes, alors qu'un bol de pad thai tout chaud est servi à Sun Sun, le jour montre ses premières lueurs. Mon手上这碗鸡屎藤真的是来之不易啊！你看，历经了大概有一天一夜的折腾啊，所以现在拿到手里，我突然觉得，哎，原本觉得它有点奇怪，但是现在看起来很可爱，而且这个汤色呢也看起来格外的醇厚哈。现在已经是凌晨5点了，说实话，我真的觉得有点困哈，这个生物钟还没有倒过来。哎呀，饿了，来一口吧，再尝尝味道，看有没有什么不一样的。真的是不一样，自己做出来的，格外清香。
En quoi la gastronomie se bonifie avec le temps? Tu Yang va vous apporter une réponse encore plus parlante à cette question. Le district de Wulong se situe dans le sud-est de la ville de Chongqing, en aval du fleuve Wujiang. Ici se trouvent des paysages incroyables de crevasses, des trois ponts Tianshan et de reliefs karstiques. Mais en tant qu'enquêteur du goût, c'est cette odeur à l'ancienne de la campagne qui l'attire le plus. Ces simples petites patates sont en fait un classique gastronomique du barbecue de Chongqing. Mais nous cherchons quelque chose de plus ancien.羊肉跟我平时吃的羊肉不太一样，肉比较紧，比较筋道，说白了就是不太好嚼。但是味道还不错，这是当地什么东西最好吃啊？当地就是羊肉最好吃。他们都说羊肉最好吃，但是说实话，这个羊肉的口感和我平时吃的羊肉真的不太一样，所以要想知道羊肉为什么好吃，先从羊开始。 Malheureusement, nous sommes tombés sur un jour de forte pluie. Sous les cordes, nous avons aperçu un troupeau de chèvres ainsi qu'un homme qui s'abrite de la pluie. Ce berger sait forcément ce qui rend les chèvres locales si bonnes. Monsieur le Président, L'altitude moyenne de Wulong est de 1200 mètres environ et la température moyenne annuelle est comprise entre 15 et 18 degrés. C'est donc un excellent refuge pour se rafraîchir durant les grosses chaleurs. La montagne de Xianyu possède environ 6700 hectares de hauts plateaux. Le berger dit que les chèvres locales se nourrissent de la bonne herbe grasse et boivent l'eau de source. Elles ont même droit à des soins pédicures et de massages. Si c'est vraiment ça, c'est pas si mal d'être une chèvre. Hello, 你们好. Ayo, 大爷，这都是你养的羊啊？ 是，就这些吗？ 只有这些吗？ 哎，就这些。解羊蹄。 剪羊蹄，为什么剪羊蹄啊？为了它不烂，剪了它不好。为它不烂，不烂是吧？哦，我大概理解的，应该是山羊在山上走的时候，这个蹄子可能会破。哎，蹄子就那些刺啊，要比较多。如果不修剪的话，这羊蹄烂，它就烂了啊。啊，这跟我们人类这修脚差不多哈。给羊修脚。你好，我是新来的27号技师。 L'activité physique de ces chèvres est assez importante, donc il faut souvent leur couper les ongles. L'idée est de garantir leur motricité pour se nourrir. Si elles mangent bien, alors leur chair se développe mieux. Ah, il faut les chèvres. Oui, c'est ça. 养这个羊跟那个养小猫小狗都差不多，剪指甲呀，然后梳毛啊。
我现在是知道这羊为什么这么好吃了。你看，每天大爷对这些羊照顾有加，然后都要三点钟放出去，让他们去溜一溜，吃吃青草啊，喝山泉水啊。哎，大爷，他们喂过饲料吗？没有，只吃青草。你看，连饲料都不喂，吃的全是纯天然的。这不是吃青草，吃喂。对，像这样养出来的羊，能不好吃吗？是不是？哎，没事啊。Au milieu de l'automne, les Chinois ont pour habitude de manger de la viande de mouton ou de chèvre pour faire le plein de nutrition. Est-ce que cette viande est meilleure dans le nord ou le sud du pays? En fait, chacun a ses avantages, ça dépend des goûts. Concernant la consistance de la viande, le mouton du nord est assez juteux et la chèvre du sud est assez ferme. Comme cette chèvre devant nous, elle se dépense beaucoup. Après la promenade en montagne quotidienne, elles sont massées. Leur cholestérol doit donc être moins élevé que chez les moutons. 对，就是那个方向啊！别叫了啊！装死没用的，真的太刺了。走。Si vous cherchez la personne qui fait le meilleur barbecue du mouton de Wulong, il y a de fortes chances qu'on vous parle d'un vieil homme qui vit dans la zone des crevasses. Ça fait 18 ans qu'il fait ça. Pourtant, après tous ses efforts pour le retrouver, son fils refroidit nos ardeurs. En venant ici, nous avons appris quelque chose. La chèvre rôtie des Chen diffère du méchoui du nord de la Chine déjà depuis la découpe de la viande. La viande du méchoui nordiste est plutôt grasse, juteuse et épaisse. Or pour la chèvre fraîche des Chen, on affine les pièces de viande du dos et des pattes, on enlève les tendons difficiles à mâcher, on ajoute des condiments et on embroche. Les brochettes sont donc faites du meilleur de la viande. Quant aux côtes, on les arrose de bière, d'ail, d'oignons et d'un assaisonnement de la maison Chen afin d'améliorer le goût. Enfin, on les attache pour qu'elles cuisent uniformément et pour l'aspect visuel, et on les fait rôtir. Dans la préparation de la chèvre, les organes sont le plus compliqué. Voici l'homme qui rôtit la chèvre que nous cherchions. Âgé de la soixantaine, ça fait 18 ans qu'il rôtit de la chèvre et il rôtit toujours la même espèce pour faire le même plat. L'intensité du feu, le temps de cuisson, la taille de la pièce, le nombre de retournements, l'épaisseur de la viande, la quantité de condiments, l'utilisation du couvercle, tous ces paramètres jouant sur le goût sont pris en compte. Il est un peu comme une machine très précise. Il sait rôtir à chaque fois exactement comme il faut pour obtenir le même goût optimal. Mais pour apprendre cette technique de rôtissage, il faut commencer par le début, l'attache des côtes sur la grille. Les 饺子起来就绑上就行了，是吧？哎，绑里边，嗯，好。
您每天晚上都这么紧张吗？忙这个烤羊啊？我看您动作速率特别快，都跑着去的。谁也不快点，你不快点不行啊！注意些了，这个要先吃，那个先吃，工作快点呗。是吧？这一晚上烤八只羊算多吗？啊？这烤八只羊，这按照您平时的量算多吗？多七只，十羊子多。您最多的时候烤多少只啊？最多烤18头啊。18头？哎，都是您一个人烤啊？哎，你像我这样保证行吗？哎，这行的。On attache les côtes de chèvre de façon à ce qu'elles cuisent uniformément. Et la prochaine étape est la plus grande particularité de la chèvre rôtie de Monsieur Chen. 这现在这个羊就烤上了是吗？哎，现在都马上烤干水切，先焖一下。啊，就是哎，想焖到温度它是一致的。啊，烤羊还是这种步骤啊？这边，腿。OK， 盖上了。谢谢你，您客气。L'une des originalités de la chèvre rôtie de Monsieur Chen est la cuisson à l'étouffée des côtes. Comme les chèvres locales possèdent une viande très consistante, Monsieur Chen fait un assaisonnement à base de bière qu'il rajoute pour donner du goût à la viande. Pendant la cuisson, la bière joue également un autre rôle. En effet, sa vapeur permet d'humecter la viande plutôt sèche et permet ainsi d'obtenir une consistance à la fois croustillante et tendre. Le rôtissage est bientôt terminé. La dernière étape consiste à enduire les condiments. 这刷油是吗？哎，刷油。这什么油啊？辣椒油吗？香油。哎，对。那我刚才看您在烤箱里好像刷了一次，然后这拿出来又刷了一次，得刷几次啊？一共？哎，有一共刷三次。好，刷三次。刷两刀了，你不刷油？还刷？吃的时候刷刀。哎，开刀了把那个油啊、盐啊，它都进了味儿噻。啊。它都清进去了，你不开刀，它进不着味，都是擦味刀。对。En Chine, l'histoire de la consommation de moutons est millénaire. Et le rôtissage initial plutôt rustique a évolué avec les changements des goûts de chaque époque. Le père et le fils Chen ont ainsi affiné la préparation à la base plutôt rêche en utilisant l'huile épicée de manière bien précise. Trois phases d'enduit, au début, au milieu et à la fin de la cuisson. L'huile épicée qui recouvre l'ensemble de la viande permet de la cuire uniformément. Grâce au rôtissage à feu doux, les aromates se marient aux fibres de la viande, exaltant au maximum ses saveurs. 真正好的味道都是跟时间有关系的。比如说我这只烤全羊，所以下面我要花大把的时间、耐心和体力，好好照顾我这只羊。哎，陈大爷，你觉得你这天天这么干累不累？谁敢？还不算累啊，这还不算累，这不算累，是这就是今天的工作量不算累是吧？哎，不算累。那你比如说你烤十八只羊那会儿，那累啊，那累死了是吧？有没有想过这就不干了，太累了？哎，是。有没有想过？那羊干，反正牛的我都烤完，牛不得的时候都休息嘛，因为客人那个都来吃，你不烤不行。你别客人来了，你都要烤，只要牛的。我觉得这样。这样过日子开心吗？我也是开心。À la tombée de la nuit, le père et le fils Chen, occupés toute la journée, peuvent enfin s'asseoir pour profiter du barbecue. Le père n'a plus de bonnes dents et ne peut plus trop manger de chèvre depuis de nombreuses années. Mais en sentant le fumet de la viande et en voyant les gens se régaler, il se sent bien. Wow, 太酥了这个。来。首先从口感来讲，这脆的地方放到嘴里，牙齿一碰就都碎到嘴里了，而且越嚼越香。而且这个肉看起来很柴，但是放到嘴里完全一点都不柴，非常非常的嫩，有口感，而且很筋道。你觉得这个羊排的味道对你来说是什么？籽香味浓郁，就是酥香化渣。这个羊排它实际上是金黄色的。你吃过别人家烤的羊吗？吃过。跟你爸爸的比呢？差多了。同样的问题问问你爸爸，看爸爸怎么说的。陈大爷，你觉得这羊排的味道对你来说是什么样的东西？是什么样的一种味道？啊，从我们老了吃下去了，很安逸，很安逸，哎，很舒服，舒服。我说啊，那个就是搞那个桥乡的搞的城行呢，是给我一个，是我们客人爱来吃，是我一个门路。嗯，对，都是这个道理。我觉得这次味道调查可以。有一个圆满的结局了。什么是这个地方最香的老味道？其实表面上看是这个烤全羊，
但实际上这个最香的老味道是家人的味道，是爸爸的味道，是妈妈做饭的味道。